Le porte-parole Geng Shuang a fait les remarques lors d'une conférence de presse. Cela a commencé le mois dernier lorsque des soldats indiens ont traversé du côté chinois du secteur Sikkim de la frontière entre la Chine et l'Inde pour arrêter la construction d'une route. Monsieur Geng a déclaré que la nouvelle route vise à améliorer les transports, à aider les bergers avec leur bétail et à aider les patrouilles des gardes à la frontière. La région de Donglang est du côté chinois de la frontière délimitée par la convention de 1890 entre la Grande-Bretagne et la Chine concernant Sikkim et le Tibet. Geng Shuang a déclaré que l'empiètement illégal de l'Inde est un fait clair et indéniable et a ajouté que les soldats indiens continuent de construire des routes, d'acheminer des approvisionnements et de déployer un grand nombre de militaires de son côté de la frontière. Le porte-parole chinois a également souligné que si l'Inde voulait vraiment la paix, elle retirerait immédiatement ses soldats.